Hey, c'est malade. Reçu une boîte de comics Free Comic Book Day. Une semaine après le Free Comic Book Day. C'est cool ça. Puis elle est pas free. Mais j'ai ça de gratuit. Affiche Umbrella Academy, nouvelle saison qui s'en vient sur Netflix le 22 janvier. Ça va faire une activité familiale où qu'on va être 6 devant la TV en même temps. C'est rare. Fait que j'en ai, si t'en veux. C'est free, celle-là. Mais en fait, celle-là, je l'amène à ma grande, j'en ai d'autres. Alors, des livres avec 10 ans de retard d'arrivée que j'aurais dû avoir il y a longtemps. Michel, Stéphane, il est là. De M. Duguay et M. Biot. Il y a un char sur le couvert. Je regarde où, là? Tabarnane! Et, BD, création d'une BD pendant les carrés rouges. Fait que oui, avec du retard, mais moins ça. Vous êtes patient, vous êtes fin, je vous aime. Cette semaine, Marvel, le Hulk, Thor, The Banner of War. The Banner of War, partie 1, qui va... Partie 2 va être dans Hulk, partie 3 dans Thor, partie 4 dans Hulk, partie 6 dans Thor. Fait que j'ai mis pas mal à tout le monde qui font Thor pis Hulk, à part exception quand que t'es plus difficile, mais... Oui. Hey, ça c'est beau par exemple. Ça là, les Black and White and Blood, puis reflété dans le couvert, c'est assez beau. C'est des beaux produits. Puis le Moon Knight, t'as plusieurs auteurs qui font des petites histoires. Fait que tu vois les styles différents. Et c'est très beau. Ah oui, oui. Et la suite du Cap Zero, Sam Wilson, numéro 1. Plein de cover. Pour ceux qui se fait longtemps qui attendaient ça, le Frank Frazetta, Death Dealer du nouveau. Le Breaking, le Record Breaking Trade Paperback avec Spawn qui a dépassé la run de Cerebus de numéro 300. Fait que là-dedans, on recueille numéro 298 à 301. Il aime ça se le rappeler, Todd, le livre de cette semaine. Moi, j'adore les artisans éditions. Tu sais, j'aime bien les gros hardcovers avec le format, tu sais, ils réimpriment, c'est-à-dire qu'ils photocopient ou ils font une copie des pages originales de l'artiste. Une page, c'est un fermant de char, c'est même plus qu'un fermant de char souvent, du Mignola. Oublie ça. Avec, fait que t'avais l'édition à 200, 125, 150, 200, peu importe. Celle-là est 55, 54, 54! Et. Fou raide. Tu vois ses traits, tu vois son travail, c'est. Avec les notes. Malade. Puis là, une petite surprise, une promo que j'ai reçue. Ah! Retailer, I want you to order Knights of the Fifth Dimension number one. Puis là, il y a une vieille pub en arrière, comme des fausses vieilles pubs. Et qu'est-ce qu'on voit-tu pas ici? Ça ressemble à du Kirby, ça. Ça va être cool, ça. Ça m'interpelle quelque peu. Fait que, encore de la vieille pub en dedans. Fait que, je vais lire ça, je vais t'en parler. Man, ça a du potentiel. Je vais te dire si c'est cheesy, si c'est. Ou si on est vraiment. Ou quelqu'un qui a assez de quoi qu'il a raté, ou si c'est vraiment du. C'est cool ça. Non, c'est le fun. C'est le fun ça. On rajoute des sons à la fin. Ça va être ça ma niaiserie.